Yo soy le vampire. Ah, le vampire, es que tu suce juste le sang, tu veux sucer, moi. Sancho, mais il y a des enfants. Ah, j'ai oublié, j'ai oublié. Oui, bonjour, mon nom est Mike Romero et je suis avec... Je m'excuse pour l'introduction. Ça va, t'inquiète l'intro là. Et je suis avec... Sancho de Cuba, que le Sancho pour la salsa. Yes, sir. Yes, sir. On est là pour un autre unboxing, celui de la... Mais il n'y a rien d'écrit. Mais je sais pas. Mais l'horror pack, Sancho, l'horror pack. Mais il n'y avait pas d'indice, moi je ne peux pas savoir. Regarde, hein. C'est mon introduction, je ne te donne pas d'indice, tu aimes que ça. Ce que je sais, ça n'a pas de thème. C'est en fait une box, parce que je m'attendais vraiment à recevoir une box et j'ai reçu ça. Donc, je sais que quelques-uns ont reçu une box avec ça à l'intérieur. Mais c'était aux États-Unis. Moi, déjà, j'entends du bruit. Voilà. Donc, c'est une compagnie qui envoie des Blu-ray ou des DVD d'horreur à longueur d'année, à chaque mois. Moi, j'ai pris celui à 4 de Blu-ray. Je me doute que le CD ou le DVD ou le Blu-ray se soit libéré, en fait, du socle qu'il retient. Et il se promène dans sa boîte. J'espère ne pas avoir trop de scratch sur le CD. Ne tardons plus, on va procéder à l'unboxing de la Horror Pack. Je dois avouer, j'ai longtemps été tenté par la Box Office, le son cinéma en France, mais ils ont jamais livré à l'extérieur de l'Europe, donc je dois me rabattre sur la Horror Pack. On va commencer avec le premier. Je ne sais pas si toutes les boxes sont identiques, j'ai pas voulu me spoil, donc j'ai pas regardé l'unboxing de la Horror Pack du mois d'octobre, mais j'ai commandé le mois d'octobre, je me dis Horror Pack, ils doivent atteindre leur summum en octobre, vu que c'est l'Halloween, cabron! L'Halloween, voilà! Donc, merci Sancho, personne l'aurait deviné. Mais bon, c'est ça, donc je m'attends à des films vraiment épiques d'horreur. J'ai une énorme collection de DVD et Blu-ray. Donc, j'espère ne pas avoir de double. Commençons. Premier Blu-ray, Lost Boys, The Tribe, d'accord, Angus Sutherland. Hier aussi, on voit des vampires, donc ça doit être quand même assez intéressant. On continue. Houses October Bill, des producteurs d'Insidious et Activité Paranormale. À l'arrière, on voit les quatre, j'imagine, meurtriers. Ok, excellent, oui, jusqu'ici, pas de doublon, ça va. Ensuite, Morningside Monster. Oh, signé. Oh, excellent. Par Stacy. Stacy Palmer. C'est en fait le screenplay. Et j'imagine l'autre, c'est Chris Etheridge, le directeur. Très, très bien. Je pense que c'est mon premier film autographié. Excellent. Le monstre de Morningside. Parfait. Et dernier, mais pas le moindre, Joyride avec Paul Walker et Lily Sobieski. Ok, Joyride. Oh, Rider. Les scénaristes J.J. Abrams et Clint Trevor. J.J. Abrams. Wow, ok. Je m'attends vraiment beaucoup de celui-là. Ah, excellent. Donc, voilà. Quatre films. La box est vide. Voilà, c'est ce qu'on reçoit. 4 Blu-ray, aucun doublon, très très fort. Mais aucun film que j'avais vraiment entendu parler. Je me suis dit, ça j'aurais aimé le voir. J'en connais aucun. Par contre, on a des noms. Paul Walker, Lily Sobieski. Ça fait quand même plaisir. 4 petits films. On va pouvoir se regarder ça. Bon, on verra quand, mais ouais, très content. J'avais vraiment peur d'avoir des doublons et j'en ai eu aucun. Donc, excellent. Je voulais vraiment commander des box à thème d'horreur pour l'Halloween cette année et Nerd Block a fermé l'Horror Block. Donc, c'est fichu de ce côté-là. D'un autre côté, il y a la Bomb Box qui a offert la Bomb Box Horreur. Je l'attends et. Je voulais pas recommander la Z-Chest qui était vraiment très médiocre l'année passée. Donc je me suis dit, 4 films, pourquoi pas. Je le regrette pas, je suis quand même un grand cinéphile. Donc voilà, c'est ce qui est ça. Mais je veux savoir, vous,
Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Êtes-vous assez cinéphile d'horreur pour pouvoir commander ce bundle box, si vous voulez? Et bien sûr, si vous avez aimé ce que vous avez vu, lâchez un pouce bleu et souscrivez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous remercie encore d'avoir regardé. Je vous dis à la prochaine. Ciao!